Ça va, toi? Déjà, je me sens très bien. Déjà, tout ce qui m'arrive, je suis preneur parce que il y a un an, j'ai échoué la pré-saison, j'ai échoué une saison entière. Donc, tout ce que ça m'arrive, c'est du bonus. Donc, je le prends avec le sourire. Oui, pour moi, en particulier, c'était le plus important, c'est de retrouver des bonnes sensations. Et voilà, ça faisait longtemps que je ne faisais pas 45 minutes, donc j'ai pu profiter. Et c'est vrai que je commence à prendre un peu plus de rythme de jeu, et ça me fait énormément de bien. Oui, bien sûr, après on travaille pour qu'on soit prêt physiquement. C'est vrai que... à ce qui paraît, j'étais pas la saison précédente, mais à ce qui paraît, c'est un peu plus dur cette année. Donc on fait ce qu'il faut, mais les ingrédients qu'il faut pour qu'on soit en forme en début de saison. Non, ça fait bien, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de rigolade. Ça reste toujours un bon groupe. Je pense que, comme tous les Espagnols, c'est une équipe joyeuse. Pardon, une équipe joueuse qui aime bien avoir le ballon au pied. J'ai connu un peu parce que j'ai vécu une saison en Espagne, donc je sais qu'ils aiment bien avoir la possession, la conservation du ballon. Ça va être une équipe dure à manœuvrer, mais bon, à nous de mettre ce qu'il faut sur le terrain pour le faire difficulter le travail. Dès qu'on commence à jouer, on commence à se connaître de mieux en mieux, même aux entraînements. Max, je le connaissais déjà parce que avant de me blesser, il venait déjà souvent s'entraîner avec l'équipe pro. Mamad, je commence à le connaître. C'est un super joueur, un super mec, avec une carrière qui parle par soi-même. Et Nico, depuis que je suis arrivé, qu'il est là. Je le connais depuis 5-6 ans, donc voilà, après c'est à nous de se parler sur le terrain, d'avoir beaucoup de communication pour essayer d'avoir une défense en béton, quoi, entre guillemets. Je pense que dans tous les groupes ça peut toujours bien marcher, donc pour moi, dans un groupe, il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de vieux, on défend tous le même maillot, et j'espère que c'est comme ça qu'on va vers l'avant.